Hello YouTube, super content de vous retrouver aujourd'hui pour cette carrière avec la Juventus. Et donc, nous en étions à la dernière journée de Mercato, où j'avais dit qu'il ne me faut rien du tout. J'ai mes défenseurs, mes latéraux, même si j'ai des gens qui se blessent, bah tant pis, on fera avec et on a ce qu'il faut normalement. Pour ne pas que ça arrive. Voilà. Donc continuons, j'ai envie de dire. Va-t-il partir? Bah normalement non. Répondre. Voilà. Je voudrais faire quand même une aparté. Un aparté? Un aparté, une aparté, je sais plus. C'est pas grave. Parce que nous sommes au lendemain de la victoire de Manchester City avec le quintuplé d'Haaland. Alors, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Juste quintuplé d'Haaland, quoi. Alors, je me suis fait une réflexion, c'est débile, hein. C'est une réflexion débile, mais je me la suis faite quand même, donc je vais en parler. Dans FM, souvent, dans les groupes et tout ça, je vois souvent, genre, quelqu'un qui dit, oh bah moi je vais faire City parce que j'aime City, tout simplement, ou j'aime recruter des gros joueurs. Ouais, machin, t'es nul, tu fais une partie avec City, c'est trop facile, machin. Je me demande si on dit ça à Guardiola, moi. Je me demande si on lui dit, ouais, t'as vu, toi t'es avec City, t'es trop facile, bouh, la haine, la honte, la haine, la honte, tout ça. Je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça hier quand j'ai vu le quintuplé de d'Haaland, je me dis tiens. Pauvre Guardiola à qui on doit dire oh mec. J'ai dit je vends personne. Point barre. De prêter. Mais je peux pas le prêter. J'adorerais le prêter, mais je peux pas. J'ai pas assez de joueurs et il va peut-être. Voilà. Je vais peut-être en avoir besoin. Tout ça c'est beaucoup trop cher. Ah oui, j'ai eu peur. Je me dis 4,4 millions pour lui. Mais non, 44 millions. Il a cru, lui. Il n'y a personne en gratuit, hein. Je me sens que j'avais regardé. Hein. Recherche dans les réseaux. Oui, par contre, là, on va peut-être mettre 31 max. Y a beaucoup de Belges. C'était vous créé. Non. Et je veux rien savoir. Sans club. Terminé. Ouais, c'est rien du tout, hein. Il n'y a rien ni personne. Ouais, mais non. En fait, je sais même pas pourquoi je l'ai faite. Je compte acheter personne. Et je compte pas ce qu'on m'achète. Je sais pas pourquoi je l'ai faite. Je vais le terminer. Ça sert à rien. J'ai dit que j'achetais personne et j'ai dit que je vendais personne. Alors je vois pas pourquoi je la fais. Ça c'est moi, hein, faut pas chercher. C'est moi. Bonjour, c'est moi. Bonjour. Non.
On verra, ouais, on verra, mais pas maintenant en tout cas, pas cette saison-ci, c'est quasi sûr. À moins que quelqu'un vienne racheter mon club et me donne 100 milliards, je pense pas. Acheter Tapia. Hein, combien? Quoi? Ah ouais. J'avais pas vu ça. Donc en gros, je donne 16 millions par mois, rien qu'en salaire. Je note. Je note. Seize fucking millions. Va falloir descendre tout ça. De toute façon, parce que là, je vais prendre les gens qui sont indisponibles en plus. Merci. Bouge-moi ce filtre. Et là, je n'ai pas le... Ah, c'est bizarre, tiens ça. J'aurais cru que je l'avais. Donc, je vais regarder ici. Je vais carrément regarder en contrat. Bon, déjà, j'ai Alexandro qui... Ah oui, Alexandro, faudrait qu'il s'en aille, lui. Donc, Alexandro va s'en aller. Szczęsny, je pense, il a 32 ans. Je sais pas. En fait, mon problème, je vais devoir attendre d'être sûr. Parce que j'aime beaucoup Perrine. En tout cas, ce qu'il me fait pour le moment, c'est très fort. Mais c'est pour le moment. Donc, pour le moment, je laisserai partir Szczęsny. Mais je peux pas être sûr que d'ici 3 mois, il me fasse des matchs pourris, Perrine, et que je doive le mettre. Donc. Bonucci, ça va partir, donc ça fait déjà 2 millions d'économisés. C'est déjà énorme, 2 millions. Pogba, je sais pas, j'en sais absolument rien là pour l'instant. 772 000 pour Cuadrado. Donc on n'est pas loin déjà. Donc je disais, on va prendre sa calculette. Hein? Parce que je sais faire de tête, mais pff, la flemme, il est 9h du matin, un peu la flemme là, tout de suite. Donc 1 004 000 pour Alexandro. Je vais compter chez Jenny. Je sais pas si je le dis bien, je suis désolé d'avance, au cas où je le dirais mal. 1 000 00. Hop, il manque un zéro. Je vais bouger ça si je ne vois rien. Bonucci. Bonucci, c'est au revoir. De toute façon, avant même de savoir son salaire. Hein. Qui est à 1-0-0-3-0-0-0. Plus Cuadrado à 772. Bon, pour l'instant, ça. Rien que ça fait déjà 3 millions. Donc je vais écrire à économiser. À économiser 3 782 000. Ce qui me ferait déjà plus que... Donc je refais 16 millions moins 3 782 000. On n'en serait déjà plus qu'à 12 millions 218. Il va falloir qu'on... Ouais. Ok, mais au moins, voilà, j'ai un visuel devant moi pour ne pas oublier tout ça. Donc voilà, il faudra qu'on regarde donc à ça. Déjà, Alexandro, parce que... Bah, attendez 2 minutes. Si vous regardez sa fiche... Alors, il est pas mauvais du tout, hein. Vraiment, il est pas... Il est... Encore qu'il est moyen, quoi. Il gagne...
Comment on... Alors je suis désolé, hein, je ne veux pas dénigrer le joueur, ni... mais à quel moment on donne un salaire d'1 million par mois à un mec comme ça? À quel moment? Après, on s'étonne que le club soit dans la merde. Ben ouais, forcément qu'il est dans la merde, ton club. Forcément. T'as donné 1 million d'euros à des joueurs par mois, à des joueurs, bah, qui en valent pas, même pas, peut-être même pas la moitié. Bon, ça, je vous le dis, sous mon ère, c'est mort. Hein. Ça, c'est fini. Hein. Je vais faire la même tactique que ce que j'avais fait avec le Barça la saison passée, et ça va tailler dans le gras. Bon, là, j'ai pas le choix, je dois faire avec le temps d'eux, mais. Je vais devoir me faire un petit copion de ce que je vais devoir enfin, laisser partir au minimum. Et que je vais devoir reprendre. Joao Mario. Ça c'est des... Ok. Donc lui on le connaît par cœur, je suppose. Toi, Brahim Diaz de Milan. Serait une recrue fantastique qui coûte pas cher. Mon problème, encore une fois, ce sera son salaire. Ce que j'aime bien, c'est qu'il peut jouer là. Il peut jouer là en tant qu'attaquant intérieur. Ailier intérieur. Et il peut même être ailier à l'aise. Ça me chauffe bien. Mon problème, c'est son salaire. J'ai peur qu'il demande beaucoup. Il n'y a pas... Allô? Je peux pas demander... Ah, détail du contrat. Combien? 750 millions de clauses? Attendez, option d'achat, 22 millions. Hein? Attendez. Donc, il joue, il est au Real. Il est prêté à Milan. Ok. Mais il n'a pas de clause. Là. Contrat. Si, il a une clause. Ah, si, il y a 750 millions, quoi. Ok, d'accord. 750 millions, mais ils ont craqué. Oh, vraiment, ils ont craqué en vrai. Alors, et lui. Lui, pour 22 ans, il est pas ouf, hein. Ouais, non, il est pas ouf. Tout premier or pour l'avenir, mais... Il a déjà 22 ans, sérieux. Non, enfin, voilà, donc... Comme je le disais, il va falloir absolument... diminuer drastiquement la masse salariale. Drastiquement. Et la preuve, sans même faire gaffe à ça... C'est bien la preuve que c'est bien ma tactique. Parce que si vous prenez les salaires, Tapia il est ici, il a 200 000. Même pas. Ah si, 200 000, 206 000. Vous voyez? Et dans les millions que j'ai là, il y en a plein que je n'ai pas. Genre lui, le 1 du 7, il rejoint la Genoa. Le 1 du 7 machin. Donc ça fait encore 93 000. Toi, t'es qui toi? Frabotta. Toi, t'as 23 ans, toi, même chose, transfert, dispo transfert, hop. Ça fait encore 108 000. Alors, Revella, je sais pas, je vais pas le... Non. Luca Pellegrini, il a... Il est pas beaucoup moins bon que Sandro, et surtout, il est plus jeune. Et il est pas cher du tout, donc lui on va garder à mon avis. Revella, je sais pas, parce qu'il a 20 ans. Après il a une bonne déter, lui il faudrait le garder, il est pas cher du tout pour le moment en plus. Je pense que lui il faut le garder. Dans un premier temps. Nicolo Fagioli. Lui il a 21 ans. Lui, vu ce qu'il me coûte, je pense que je peux le garder. Faut qu'on puisse regarder, il m'a déjà fait quelques bons matchs.
Donc lui, dans un premier temps, en tout cas, on peut le garder. Federico Gatti, lui, apparemment, il est déjà sur la liste de transfert, 24 ans. Je me dis qu'il me coûte pas cher. Je vais le retirer de la liste des transferts, lui. Tapia, ben je viens de l'acheter. Marco Piaca. 231 000 encore. Ça dégage. Marco Piaca, ça dégage. En plus. Voilà, Anderlecht, il s'est planté de violent, Marco Piaca. Chez nous à Anderlecht, donc, dans mon club, à moi. Donc c'est non. Et au-dessus, je sais pas encore. Donc, vous voyez, ça fait encore. Donc lui, ça fait déjà 93 000. Lui, 108 000, ça fait 200 000, un peu plus. 200 000. 200 000, et Piaka. Ça fait 430 000, presque 450 000 encore d'économiser. On arrive 450 000. Donc on arrive à plus de 4 millions. Il y a moyen, il y a moyen, il y a moyen. Il va y avoir moyen. Locatelli est blessé, j'avais oublié que t'étais blessé, monsieur. Et ça ne me fait pas plaisir. On va avoir à un moment donné un problème de milieu, hein, je vous le dis. Bah, ce sera Fagioli. Hein. On n'a pas le choix. Alors, on retire les indisponibles. Toi, 2 semaines. Et toi, 5 à 10 jours. Donc, vous allez rester là pour le moment. Et B, on va y aller comme ça. Oh là là, ça commence. Ça va. C'est là que ça va commencer à être dur, hein, regardez. Ouais, mais Vlahovic, il est. Donc, bah, Vlahovic va pas jouer. On va faire jouer Milik. Complètement en manque de temps de jeu, donc lui va jouer. Fatigué pour Keane, donc lui va pas jouer. Il a 2 pieds, c'est bien. Il dit, bouge-toi. De toute façon, j'ai pas le choix, donc dans tous les cas. Ils disent Rabiot. Rabiot, il s'est fatigué qu'il est. Ouais. Je vais mettre Paredes et je vais mettre Tapia. Prêt à jouer. Parfait. Parfait. Danilo, fatigué. Mais là, je vais pas avoir le choix, malheureusement. Il va devoir jouer. Bonucci, fatigué. Est-ce que je peux changer Bonucci et mettre. Il est où? Rugani. Voilà. Lui est fatigué et lui est fatigué aussi, mais j'ai pas le choix. Défensivement, je vais pas avoir le choix. Quoique, il y a Deschiglio. Donc, ce que je vais faire, je vais remettre Danilo ici. Voilà. Et je vais mettre Deschiglio ici. Je vais devoir jouer comme ça, je n'ai pas le choix, de toute façon. Voilà. Et c'est là qu'on va commencer, à mon avis. À avoir des petits problèmes, c'est à partir du moment où il y a la fatigue. Surtout s'il continue à me blesser mes joueurs. Allez, on croit en vous. Bremer, calme-toi. Pas de pression, c'est bien, semblez détendu. Toi, je crois en vous, fais la différence. Et nous sommes tipards. Pour ce premier match de la session, je suis toujours pas serein, malgré les bonnes victoires que j'ai faites jusqu'à maintenant. Je peux vous le dire que je suis pas serein du tout. Il y a un gros taf à abattre. Malgré ce qu'on pourrait penser, il y a un très très gros taf à abattre.
Une masse salariale de 16 millions, c'est impossible, hein, je vous le dis. Même si le club a les reins pour, hein. Le club a peut-être les reins pour, mais je n'aime pas ça, je veux pas être le plus dépensier, non, 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 non. Et alors, si, ça me dérange pas, désolé de mettre pause 2 minutes, ça me dérange pas de mettre genre, allez, je vais dire une bêtise, je vais être au PSG, Mbappé à 1 million, ça me dérange pas. Parce que c'est un top player. Vous voyez ce que je veux dire? Ici, si Vlahovic a 1 million, ça me dérange pas. L'année passée, avec ma carrière au Barça, par exemple, malgré le fait qu'il fallait faire une drastique dans. Attention! Et allez! But de Milik! Malgré le fait qu'il fallait faire descendre la masse salariale très fort, mon gardien, je lui ai laissé 1 million. Ben non, je lui ai même mis 1 million parce qu'il avait moins que ça. Mais il n'y a rien à faire. Tu peux pas te permettre, parce qu'ils sont chers, de virer tous les joueurs de son équipe, par exemple. C'est impossible de faire ça. T'as besoin de stabilité, t'as besoin de. Donc, je vais dire entre guillemets par ligne, s'il y avait un gros joueur par ligne, c'est un gros joueur qui, lui, ça me dérange. J'ai pas même de lui donner 2 ou 300 000 en plus. Mais à côté de ça, j'en virais. Enfin, je veux dire, quand tu vires un joueur. L'année passée, avec le Barça, j'avais Depay. Depay avait un contrat si on ne faisait pas attention. En gros, quand tu arrivais là, il avait 3 millions par mois. Attendez. Avec une clause qui faisait que chaque année, il gagnait plus d'un million en plus. Moi, je me rappelle la saison 2 avant que je ne le dégage, il gagnait presque 5 millions et demi par mois. Donc quand vous dégagez un mec à 5 millions et demi par mois, qu'est-ce que t'en as à caler de donner 2 ou 300 000 à un joueur ou deux en plus? Donc c'est. J'aime bien faire ça. Pourquoi vous êtes inquiet? Vous êtes con? Pas pour vous êtes inquiet, enfin c'est pas grave. Donc voilà, c'est un calcul à faire. J'adore ça, moi. Vraiment, j'adore ça. J'avais adoré faire ça au Barça. Tout en restant. C'est peut-être ça qui aurait peut-être plus cette année, mais j'ai tout gagné, hein, avec le Barça, même comme ça. La première année. Ah, dommage. Dommage. La première année, donc toujours avec le Barça, désolé de le répéter beaucoup, mais la première année, j'ai fait troisième de Liga, si je me trompe pas. Alors qu'on sortait d'une saison, je sais plus quand, enfin voilà. Et dès la saison 2, ça a été champion, j'ai fait. Je sais plus combien de saisons j'ai fait avec le Barça. 4-5. Hop là, Fagioli, 2-1. Ça, 4 ou 5 saisons, 6 saisons, je sais plus. Mais j'ai été champion toutes les autres saisons après. J'ai gagné la Ligue des Champions, enfin, et tout ça en réduisant de très très largement la masse salariale. Vraiment très. Franchement, j'ai coupé dans le gras. Je me rappelle plus des chiffres, mais non, j'avais beaucoup aimé ça. Donc c'est moins grave ici. Donc normalement, ça devrait le faire. Allez, on se concentre sur le match. J'ai un petit peu digressé. Allez, non, Perrine, je viens de dire quoi juste avant? S'il te plaît, je vais t'appeler Perrin. Oh, celle-là, elle était jolie. Pour ceux qui ont la ref. Ah, oh, c'est dommage. C'est dommage. Pourquoi il y a des fâchés? Di Maria, elle est fatiguée, peut-être devoir le bouger. Ça m'embête parce qu'il est bon là. Pourquoi ils sont fâchés? Pourquoi ils sont inquiets? Je comprends pas. C'est pas grave. Non, bien. Très bien, très bien. Allez. Bien, voilà, parfait, parfait, parfait.
Faisons ça. Danilo Quadrado, tant pis, il est fatigué, mais il faut le sortir. Paredes, on va mettre Rabiot. Je sais que t'es fatigué, mon gars, mais je n'en peux rien. Et là, je n'ai personne pour lui, donc toi, tant pis, tu vas devoir finir le match. Qui ne pour ils disent qu'il fait pas un mauvais match, c'est pas un match exceptionnel, mais c'est pas non plus, c'est pas dégueulasse quoi. Bon, avec un peu de chance, ça se terminait en 2-2, tant pis, ça m'embête, mais bon. Ça m'embête parce que dans le fait qu'il nous manque 15 points, bah, faut gagner tous les matchs quoi. Non. J'ai pas envie de les déglinguer non plus. Ça aussi, hein, c'est un truc à prendre en compte, c'est que forcément, et même si dans le jeu, je ne sais pas, d'ailleurs, je suis pas allé voir, je vais aller voir. C'est où? C'est pas d'entraînement. Dans quoi j'ai perdu la dynamique de groupe. Ah non, ça va. Non, ça va. Normalement, dans ce genre de cas, souvent les soutiens de l'entraîneur ou les cohésions d'équipe ou quoi sont pas top. Et donc, quand dans une équipe normale, t'aurais peut-être pété les plombs sur un joueur ou sur une équipe ou sur ton équipe, quoi, bah il y a des moments où tu le feras pas, forcément. Luca d'Andrea, Benevento. Aucun intérêt. Bah oui, ça n'a pas changé. Léger intérêt pour Companies. Mais pas pour maintenant. On va le mettre en sélection. Et Marco Asensio. On peut le mettre assez irrégulier, je le sais. Je sais qu'il est régulier, je le sais. Marco Asensio. Il n'était pas moins cher que ça. Il n'y avait pas genre, il est pas cher du tout, je sais pas quoi. C'est bizarre. Marco Asensio, je l'avais pas vu aussi cher. C'est pour ça que je l'avais regardé d'ailleurs, c'est parce qu'il était pas cher ou je suis fou. Bon, il y a des chances que je sois fou, hein, c'est pas impossible. J'ai encore oublié un détail que je ne devrais pas oublier dans cette partie en plus. Plus qu'avec Anderlecht, là ça va être très important vu l'équipe et vu les matchs qui vont suivre parce que j'ai quand même la Ligue des Champions. Alors, je ne me fais pas d'illusions sur la Ligue des Champions, on est bien d'accord. Mais bon. Il y a deux matchs, en plus on a le Bayern qui est là, on va se manger. Ça, faudrait que j'aille voir parce que. Expliquer un autre truc que je suis pas sûr d'avoir déjà expliqué. Compétition. Ah bah non, bah là, bizarrement, voilà. Par exemple, ici, on me demande d'atteindre les huitièmes de finale. Alors, c'est. Ça va être compliqué, mais pas impossible. Ils ont, je pense, pris en fait le fait, je pense, qu'on soit dans la mouise, à mon avis. Parce que normalement, ils le font pas. Genre, je prends un exemple. Bah, par exemple, la Juventus. La Juventus est une équipe dite normalement forte, au-dessus du lot. Ils ont quand même été champion d'Italie pendant des années. Enfin, c'est quand même une grosse équipe européenne, je veux dire par là. Donc pour le jeu, je devrais être genre demi-finale quoi. Mais là, je suis content de voir que déjà atteindre les huitièmes, c'est bien. Là, c'est éviter la relégation, c'est top. J'ai à moins de points. Mais de toute façon, je ne vais pas. Je vais faire. Mon but, ça va être. Je m'en fous de la Ligue des Champions, je le dis tout net. Hein. La Ligue des Champions, je m'en bats les couilles. Hein.
Je vais mettre en tout premier lieu la. Les Ostigard. Aucun intérêt. C'est dommage, il est bon lui. T'es pas mauvais du tout, toi, monsieur. Après, t'es 1m84. Je préférerais un peu plus. En plus, t'as pas une détente verticale de ouf. Donc, ce que je vais faire. Demande de prêt. J'aurais adoré, mais je peux pas vous le prêter. En secondaire en plus. Non, c'est encore pire. C'est encore pire. Alors, nous allons donc jouer face à Benfica. Attente pour le match, match nul. Joue régulièrement de. Retire. Oh, je suis con. Je suis. Mais vraiment, hein. Bon, de toute façon. N'est pas assez bon. Ok. Et Mathieu Perrine. À le niveau. Bon, il est pas content, mais tant pis. Nakai. Ah oui, c'est les petits jeunes du Real que j'ai scouté. Un petit peu cher pour ce qui est. 3 en déter, non. Aucun intérêt pour Noël Lopez, dommage. Sergio Arribas. Bien, lui, il a une bonne déter. Hein. Lui, pas pour tout de suite, mais lui, je vais le mettre en sélection. Et je ne sais pas si il est connu à 100% ou pas. Aucun intérêt. Pablo Ramon, défenseur de 21 ans. Ah, lui, il est pas cher du tout, par contre. Mais il a pas de déter, c'est mort. Toi, aucun intérêt. Toi, extrêmement intéressé. Pas de déter. Aucun intérêt. Ok, c'est fait. Il faudrait que j'aille faire la même chose à Barcelone, si c'est possible. Oh! Moins 8 millions sur le solde bancaire encore. Ils ont pas d'équipe. Ah si là, Barcelone B. Ouf, Alba, il a pris. Texus Alba, il a pris cher. Une semaine. Alors, c'est Benfica. Donc, j'aimerais mettre des joueurs. Pas fatigué, enfin. Comment expliquer? Complètement en manque de temps de jeu, il va jouer. Di Maria. Ok. Milik, ok. Ce que je vais faire. Mais t'es en manque de temps de jeu, même si t'es en risque de blessure élevé. Toi, c'est bon. Toi, tu vas pas jouer. Je vais mettre Rabiot.
Ah, mais il est en élevé aussi. À un moment donné, je peux pas tout faire, hein. Bremer. C'est quoi, Gatti? Vas-y, fais-toi plaisir. Très élevé, fragilité physique. Mais tant pis, il va jouer quand même. Bon, je vais faire à peu près ça. Voilà. Il n'y a rien à faire. En tout cas, la première, au minimum, la première saison. C'est le championnat qui va primer de toute façon. La pression est sur eux. Voilà. Milieu serait grand vous. Ça n'a pas fonctionné. On est parti. On est parti pour ce match de Ligue des Champions. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Ah, ça reste Benfica, ça reste une très grosse équipe. Je pense pas qu'on gagnera ce match. Je vais être clair avec vous. Voilà. Là par contre il y a hors-jeu, monsieur l'arbitre, hein, je pense. Je pense qu'il y a hors-jeu, monsieur l'arbitre. Oui. Je l'avais vu. Je vais encourager. Une seule action. Je vais me mettre en offensif. Et elle est en... Attendez, hein. Plus haut, pressing haut. Mettre un petit peu chouïa comme ça. Un petit peu chouïa. Allez, on se bat, c'est parfait. Allez. Blessé. Ouais. Je vais le changer tout de suite parce qu'il a, j'ai l'impression qu'il me court plus trop, moi. Joli, 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 joli. Très, très, très joli tacle. Mais il va falloir que je change. Oh là là, oui, il va falloir que je... peut-être que je change ma tactique pour la seconde mi-temps. Même si je pense pas que ça changera quelque chose, hein. Mais je veux pas rester sans rien faire. Oui. Mais oui, pour cette saison, ça va être impossible, hein. J'ai pas assez de. J'ai pas assez de joueurs à ma disposition. Je dois faire jouer des joueurs soit limite blessés, soit qui reviennent de blessures, soit jeunes. Je peux pas. Je vais aller en tactique. Je vais aller faire autrement. Alors. On les change tous les deux. Toi, je vais te mettre en milieu axial attaque. Écoutez, je vais faire comme ça dans un premier temps. Toi, si je pouvais te mettre milieu récup, ça m'arrange. Ça fait un peu plus défensif encore, c'est parfait. Je vais faire rentrer Vlaovic.
Vestiaire. Voilà, hop. Vlahovic, Keane, faites la différence. Bon, encore une fois, je pense pas que ça va changer quoi que ce soit. Mais je peux pas rester sans rien faire, il faut qu'on trouve un truc. Alors, je vais peut-être mettre en. Ouais, quoi que. Pouah, c'est fort, hein. Oh, mon Dieu. Je pense que j'aurais beau faire quoi que ce soit, ils sont trop forts pour nous. Surtout que Di Maria, bah, il est mauvais aujourd'hui. En même temps, je peux pas lui en vouloir, le mec revient de blessure. Di Maria va devoir sortir parce qu'il est fatigué. Encore une fois, c'est pas grave, je m'y attendais. Je m'y attendais. Paredes. Tapia. Bah, c'est dommage, mais bon, en même temps. Hein. Ah là là. Fallait bien le revers de la médaille à un moment donné, et autant que ça arrive en Ligue des Champions, parce que comme je vous dis, moi, la Ligue des Champions cette année-ci, c'était mort. Clairement, je me doutais bien que ça n'allait pas fonctionner. Et regardez la vitesse à laquelle ça joue. Une équipe fraîche, il n'y a rien à faire. Fraîche et avec plus de qualité intrinsèque tout de suite, surtout. Oh, oh, oh. S'il n'y a pas. Ouais, bah, joli but, 4-1. 4-1. On va quand même dire qu'on n'a pas apprécié ce qu'on a vu, faut pas déconner quand même. 4-1, je trouve ça un peu lourd comme. Mais bon. On tourne le bouton tout rond, et on chantera des chansons. Non, allez. Sois gentil. Un jour de repos. Ça va être très très important dans cette carrière. Pour la saison 1 en tout cas. Enfin la saison 1, en tout cas jusqu'à ce que les joueurs blessés reviennent quoi. Ouais, je sais bien, une journée sinistre, bah ouais. Bah c'est Gonzalo Ramos quoi. Il est même pas. En plus de ça, vraiment, il n'est pas ouf ouf hein. Il est pas mauvais, hein, il est bon, mais à part en jeu collectif où il a 16, le reste, c'est no, enfin, il a pas. Après, il est ultra équilibré, quoi. Novella, ça donne quoi? Oh. Il peut pas le rappeler, lui. Inter Bayern. Pouah. Inter Bayern, ça va piquer, hein. Ça va piquer. Alors, je vous aime, hein, d'amour, hein, tout plein. Hein. Mais Gvardiol à 130, à 155 millions. Je veux dire, là, tous tes transferts, ils sont infaisables. Enfin, tous, non, mais. Ah, Mitchell Baker, c'est non, quoi.
Angelino, c'est normalement non pavard, je n'en parlerai même pas. Il est bon, lui. T'es cher, toi? T'es pas cher en plus. Oh, bonjour. Toi, je vais te rapport pendant déjà toute la vie. D'accord, donc les dirigeants défaites. D'accord. Après, ils ont pas complètement tort. T'es qui, toi? Si tu veux, hein. C'est quoi? Vlaovic, Di Maria, Keane. Ils sont tous en élevé, hein. Ça c'est le problème. Il va être là le problème en fait. Paredes va jouer. Le problème il va être là. Ils ont tous une fragile. Putain, ouais, ça aussi, ils savent pas. Flageolet, j'ai pas le choix, désolé. Jouer. De toute façon, il est en manque de temps de jeu, donc voilà. Rugani, Gatti. Gatti a fait un bon match. Bonucci va jouer. Bremer va jouer. Et Danilo va jouer. Miretti. Attends, qu'est-ce qu'il a lui? Fatigué de quoi lui? T'es fatigué de quoi, gamin? C'est bizarre. Attendez. Non, il serait mis s'il était dispo. Là, pourquoi il est fatigué? J'ai pas fait jouer quand même. Je vais te mettre 2 jours de repos. Je vais jouer comme ça. Je vais mettre 2 jours de repos au gamin là. C'est bizarre que je sois fatigué, je l'ai pas fait. Soit je deviens fou, soit je sais pas, mais montrez ce que vous valez s'il vous plaît. Hop, on croit en vous. Allez, on est parti. Ah, ils ont déjà Lukaku. Je pensais qu'il était blessé. Il est pas blessé en début de saison, Lukaku. À la base. Allez, hein. On montre qu'on est quand même là. Oui. Ah. Je n'ai pas regardé ce qu'ils ont fait jusqu'à maintenant. Je ne sais pas s'ils sont bons en ce moment ou pas. Oh, il y a hors-jeu là. Il y a hors-jeu, il y a hors-jeu, il y a hors-jeu. Ouais, non, non, il y a hors-jeu. T'emballe pas, mec. C'était sûr. Il y avait hors-jeu 300 fois. T'es au moins 8 mètres hors-jeu, mec. Hop, encore rejet. Paredes. Rabiot, ouais. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais. Ah non, ça c'est mauvais par contre. Bien. Ah, Fagioli. Si tu continues à bien jouer, je vais t'appeler Flajoli. Si tu continues, je t'appelle Flajolet, je te préviens. Allez. Bien ça, très bien ça, Deschiglio. Moins bien ça, Deschiglio. Je vais te demander de te calmer. Oh. Oui.
Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. On demandait plus. Lui finira anxieux, mais à un moment donné, je peux pas vous dire, même que machin, je peux pas vous dire, vous avez été bon. 6-6, 6-6, 6-4, à un moment donné, moi, je veux bien être gentil, mais il y a des limites à ne pas dépasser, quoi. Oh non, pas deux matchs d'affilée, il y a le Bayern juste après, ça va faire trois matchs, je vais me faire déglinguer. Oh, s'il vous plaît. Après, c'est l'Inter, hein, je peux pas non plus. C'est censé être un candidat au titre normalement, donc bon. Mon problème, c'est les deux matchs de Ligue des Champions que j'aurais perdu en plus. Si avec l'Inter, je m'en fous. Limite, c'est normal. Mais le problème, c'est de perdre trois matchs d'affilée, tout match, tout truc confondu. Mettre Cuadrado. Voilà. Il n'y a rien qui passe, il n'y a rien qui passe. Oh là là, en plus, si tu me fais des pareils, ouf. Oh, Lautaro, merci. J'ai envie de dire merci, Lautaro. Alors, toi, tu vas sortir. Keane, tu vas sortir. Bah non, tu vas pas sortir. Tant pis. Rabiot, Fagioli. Je peux même pas changer ce que je veux. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là là. Ah bah c'est mort, hein. Bon, on va me faire rentrer Gatti là. Tu sais quoi? De toute façon, c'est mort. 2-0, je suis dégoûté. Suis dégoûté. Mais pouvais-je vraiment espérer mieux? Je ne pense pas. Oh là là, 3-0. Allez. C'est honteux. Honteux, 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 honteux. On va même pas mettre un but, quoi. Un petit 3. Hein. Il y a le Bayern juste après. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Toujours à moins 2. Bon. Bah, comment vous dire que la session, voilà. Match nul, défaite, défaite. Bon, va falloir qu'on gagne les deux là, absolument.
Salernitana, j'ai jamais le dire ça. Parce que Bayern, on va se faire manger, quoi. Donc voilà, ben un grand merci à vous tous de m'avoir regardé. On se revoit la prochaine fois. Je vous dis ciao, bonne journée.